Bonjour, bonjour à tous. Je suis Louise Lapointe, la directrice artistique de Castelier. My name is Louise Lapointe and I'm the artistic director of Castelier. C'est une joie de vous accueillir ce matin au Petit Outremont pour notre traditionnel café-causerie. Ce matin, nous aurons la grande chance d'accueillir trois équipes qui vont vous parler de leur travail en chantier. We will have three companies this morning talking about their work in progress. La première compagnie, c'est Puzzle Théâtre de Montréal avec le spectacle Bois. Bonjour à tous. Merci Louise. Merci Castelier. Thank you Castelier for inviting us today to present you our work in progress, Wood. Nous sommes chanceux d'être là aujourd'hui pour vous présenter Bois, un spectacle en création. Nous avons choisi de vous montrer quelques petits morceaux de spectacle qui n'est pas encore terminé. We have chosen to show you some pieces from the show that is not still ready, but just to show you what is the atmosphere and what is the direction we have taken. Juste pour vous montrer un peu la direction dans laquelle on s'en va.
Le spectacle était inspiré de notre travail au Festival de Saguenay, FIAMS, où on a fait un parcours dans la forêt dans lequel on se promenait avec le public, puis on cherchait des créatures dans la forêt. Ça s'appelait cache-cache marionnettes. Il y avait des marionnettes cachées partout dans les buissons. Donc, so this work is inspired by our collaboration with FIAMS Festival in Saguenay, where we were making walk in the forest with the public, and we were looking for puppets into the bushes. And then we thought maybe we should put these creatures on stage. And we have collected a lot of woods, and we started exploring and looking for creatures. And I have to tell you that we found, like, I'm not going to say thousands, but like hundreds of creatures, really. And it was very, very hard casting to choose this one that we are going to put on stage. We always have the desire to put everything what we have found on stage, but not always is possible, of course. Donc, on a trouvé plusieurs créatures qu'on peut mettre sur scène, mais finalement, on a choisi quelques-unes de quelques centaines de découvertes. Il y a des créatures lentes, puis certaines plus rapides, puis certaines gentilles, puis certaines pas tant gentilles que ça. Thank you.
etc., 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 etc. Est-ce que vous êtes curieux de voir la suite? Do you want to know where all this goes? Ben nous aussi, on est curieux de voir où est-ce que ça va. We too, we are curious to know about. Merci beaucoup. Thank you. Bonjour. Bonjour, Pavla. Bonjour, Tchaba. Merci beaucoup. Bravo pour bois. Magnifique, merci. C'était magnifique. Oh, merci la souris. Oui, j'adorerais me promener en forêt avec vous. Hein. Ça doit être toute une balade. Oui, c'est toute une aventure, mais tu dois faire attention avec les bois. Hein. Ils ne sont pas toujours gentils. Ah non? Non. Oui. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir pour avoir une petite discussion. J'invite tout le monde à poser des questions sur le chat si vous voulez poser des questions à Puzzle Théâtre. Et je suis accompagnée aujourd'hui par la souris pour m'accompagner, pour animer ce café-causerie. Bonjour la souris. Bonjour à vous. Quel honneur. Merci, Louise. C'est une joie de vous avoir avec nous. Et moi donc. Alors, Pavla et Tchaba, parlez-moi, la musique, est-ce que ce sera la vraie musique? Parce que déjà, nous avons d'excellents commentaires pour vous sur le web. Ah et oui? On se demande, est-ce que ce sera la musique finale du spectacle? Eh, bonne question. Merci de me poser cette question. En fait, quand on a cherché à préparer les morceaux pour Café Causerie, on s'est dit, on n'est pas rendu encore à l'étape musique. Donc, on n'a pas encore la musique propre du spectacle. Mais on se dit, on va chercher dans nos dossiers une musique qui peut-être peut aller avec. Et là, on utilise la musique que mon amie Petia a composée pour Omelette. Ah bon? Oui, un spectacle solo de Tchaba. Omelette? Oui. Mais, on ne dit pas Hamlet chez Shakespeare? Non, c'est Omelette, c'est Omelette, comme ah bon? Les œufs brouillés, tu sais. Ah bon? Ouais. Oui, je comprends. C'est ça, puis on a choisi ce morceau de la musique d'Omelette, puis on trouve que ça va bien pour le moment avec, mais pas certain. Hein. On n'est pas encore prêt avec le monde sonore de ce spectacle. On a essayé toutes sortes de choses. On est allé pour longtemps seulement avec les je m'excuse, avec le bruitage de bois, avec le... We were looking for the sounds. We were even trying to make them like not speak but have some sounds themselves, the creatures, but just not working with them. For some reasons, it's not working, like onomatopoeia. It's doesn't fit. And we were trying, we had a table, like wooden table, and we were trying to make some noises and rhythms with the creatures and how they're walking. But we think it's not enough. It becomes tiring. Oui, je pense qu'il faut ajouter encore de la musique. Ça sera percussion ou ça sera au instrument avant. Je ne sais pas encore. Le monde sonore est là, il faut juste éplucher encore un petit peu. Ouais, ben, en tout cas, je vous répète qu'il y a des commentaires qui sont déjà très judicieux, qui disent, mon Dieu, que la musique marche bien. Et ouais. Alors, voilà. C'est une musique qui marche pour chaque spectacle. Elle est géniale. Bon. Et dites-moi, Tchaba et Pavla, ce spectacle, c'est pour quel public? Une autre très bonne question. C'est pour les souris. Ah, c'est ça. Je me disais aussi. Mais écoutez, nous, les souris, dans les bois, vous savez, on a peur de toutes ces créatures. Alors, pour moi, ça démystifie, en fait, la forêt, n'est-ce pas, l'objet. C'est très, très savant, ce que vous faites. So, it's very, always difficult for us to decide from the beginning the age of the audience. With all our creations, we think we'll do something for kids and finally ends up to be for adults. We think we do something for the street and finally ends up to be a small form for 10 people. Because the show evolves and not always we can control everything. There's there are a lot of surprises. Mais rendu, rendu là, je pense que ça va être tout public à partir 4 ans, 4-5 ans. Parfait. 4-5 years and more, Parfait. We think. Merci. Et puis, dites-moi, quand pensez-vous rencontrer votre premier public? Quand le spectacle sera prêt? Ah, le spectacle sera prêt dans 2025. Oh! Mais ce n'est pas croyable! Je ne peux attendre jusqu'à 2025! Non, mais qu'est-ce que c'est que
cette idée. Ça va, tu vas prendre ta retraite. Oh, mais non, je ne suis pas prête à prendre ma retraite. Je suis au début de ma carrière. D'ailleurs, si vous pouviez m'emmener avec moi en tournée, je serais heureuse. Mais c'est, en fait, c'est une bonne question. Le spectacle est jamais prêt. Donc, quand on rencontre le public pour la première fois, c'est une première rencontre de... C'est une première étape de... C'est justement, ça commence une autre étape. Oui, de travail oui. sur le spectacle avec le public. Une création perpétuelle. Oui, c'est ça. Donc, nous planifions faire des premiers essais avec le public cet été. Donc, we are planning to make some first trying this summer. In Stratford. Stratford! Ah! Ouais. Au festival de Eileen, Springworks? Oui, exactement. Fantastique! La souris, Stratford, vous devriez y aller. Oh, Stratford, mon rêve! Oui! Mon rêve de souris! Oui. Amenez-moi avec vous, je vous en prie, je me tairai. Mais tu sais, on n'a pas fait un spectacle avec des fromages. Ça, ah bon? Ben ça, peut-être c'est un plan, peut-être. Mais écoutez, peut-être que nous pourrions créer ensemble un magnifique spectacle sur les fromages. D'ailleurs, je serais très curieuse de vous voir déjeuner, vous tous, à vous voir travailler avec les objets. Est-ce que vous jouez avec vos tranches de pain, vos ustensiles le matin quand vous vous levez? On a fait ça pour longtemps, mais Philippe, notre fils, est déjà un peu grandi. Alors, il n'apprécie plus ça. Ah, ben c'est. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances pour terminer cette création très prometteuse. Vraiment, c'était magnifique, la poésie de ce bois. Merci. Merci. Et on se met juste après le festival, après le démontage de marionnettes en vitrine, on se met à la création 24 sur 24. D'ailleurs, Pavla, je m'excuse, je voulais le dire en introduction, mais je voulais remercier Pavla Mano qui a fait toute la scénographie des événements en direct pour le Festival de Castelnier 2021. Toutes ces bulles, ces boules! Oui, c'est magnifique. Et aussi, Pavla a fait les installations dans toutes les vitrines du parcours marionnettes en vitrine. Alors, immense merci, Pavla. Ah oui, ça me fait... Et grâce à vous, on ne se promènera plus dans les bois de la même façon. Oh, c'est sûr et certain, tu vas voir des créatures dans chaque bois que tu trouves là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, maintenant, nous sommes rendus à la deuxième compagnie. J'avais une dernière question. C'est trop chouette. Oui. Avez-vous eu des échardes devant, pendant vos répétitions? Dans le sens propre? Ou... propre, je pense. Did you have splinters while rehearsing? Actually, I have. We had some in the figurative sense of the word. On avait des échardes dans le sens figuratif de mots. Ça, c'est la troisième version du spectacle qu'on vous présente aujourd'hui. Et les deux versions précédentes aussi, on a été très, très, très sûrs que ça sera le spectacle. Bon, mais jamais 203, alors le voilà. Merci beaucoup. Merci au public pour vos questions. Alors, nous sommes rendus à la deuxième compagnie. Il s'agit aujourd'hui d'accueillir pour une toute première fois au Café Causerie le théâtre à l'envers, qui va nous parler de sa création, La petite fille aux oiseaux. Alors, j'invite Patricia à nous parler. Bienvenue au théâtre à l'envers. Bonjour, merci Louise. Merci de nous accueillir dans cette causerie création dans l'œuf pour la première fois pour nous. Alors, effectivement, je me présente, donc Patricia Bergeron, je suis co-directrice générale et directrice artistique du théâtre à l'envers. And also, I'm the director of the new creation that I will talk to you today. Alors, je suis également la metteur en scène de la nouvelle création dont je vais vous parler ce matin. Alors, notre création, comment est-elle née? How is born this new creation? Alors, là, l'été dernier, j'avais envie de prendre une pause de la pandémie, comme plusieurs d'entre nous, et je suis partie en pleine forêt faire du camping avec ma petite famille. So, last summer, I decided to take a break of the pandemic, and I decided to do some camping in the forest with my little family, when suddenly, my phone rang. Oui, mon téléphone soudainement s'est mis à sonner en pleine forêt. Une certaine Julia Derdour, que je ne connais pas, illustratrice, me propose un projet et deux mots font écho dans ma tête, dans ce qu'elle me dit. Ombre et violon. So, I listen to this girl, Julia Derdour. She suggests me a project and two words echoed in my head. Shadows and violin.
Some days later, I met her with one of her friends, Oriane Smith. She's the playwright and she's a musician. And immediately, the connection was made between us. And it's in this way that the little girl and the birds was born. Alors, c'est suite à la rencontre avec Julia Derdour et Oriane Smith, une amie à elle, qui est aussi l'auteur de la pièce et une musicienne de grand talent, que tout de suite la connexion s'est faite entre nous trois et la petite fille aux oiseaux est née. So, what is it exactly, the little girl and the birds? C'est quoi exactement cette pièce-là? Alors, en fait, cette pièce, c'est en quelque sorte une poésie visuelle. Une magnifique poésie visuelle, tout en ombre et en musique, sans paroles, qui s'adresse autant aux enfants de 5 ans et plus, mais aussi aux adultes. Pourquoi? Parce que ça parle justement du processus de création. Toute la pièce est une métaphore sur le processus de création. Et donc, de cette manière, ça nous permet de parler, de mettre en valeur le pouvoir créateur de chacun d'entre nous. So, this play talks about, it's a kind of a visual poetry. A visual poetry with shadows and music, which is aimed at children aged 5 years old as well as adults. It's a metaphor that illustrates the process of creation. What is to create? Why sometimes it's so difficult? With this play, we want to highlight the fact that each of us has a creative power. La petite fille, donc, dans cette histoire, est interpellée par un oiseau mystérieux qu'elle aperçoit de la fenêtre de sa chambre. A little girl challenged by a mysterious bird that she sees from her bedroom window. Elle suit cet oiseau dans le jardin, puis dans la forêt. She follows this bird into her garden, then in the forest. L'oiseau l'amène à entrer dans le creux d'un vieil arbre où elle descend dans une grotte secrète. The bird leads her to a secret cave hidden under a tree. C'est là qu'elle découvre un étrange sac, un sac en tissu. It's where she discovers a strange fabric bag. Mais qu'y a-t-il de caché exactement dans ce sac mystérieux? Pourquoi devient-il de plus en plus lourd au fur et à mesure qu'elle le transporte? What's hidden that in this mysterious bag? Why does it get heavier the further she carries it? C'est en suivant son intuition et surtout en suivant le cri de l'oiseau guide qu'elle retrouvera la sortie qui l'amènera ensuite vers une grande envolée. It's by following her intuition and the cry of the mysterious bird that she will exit and towards a great flight. Alors, comme vous pouvez le voir sur les images, toutes les scènes de cette pièce ont été créées par les pinceaux de Julia Derdour, donc qui fait de chaque tableau une aquarelle. So, Julia Derdour, the illustrator, created the pictures that you saw. And she, it's like each painting, it's like, it's watercolor, in fact. Alors, dans cette pièce, nous avons décidé de travailler les ombres de manière très différente de ce à quoi nous étions habitués au théâtre à l'envers. Alors, nous avons fait appel à Marcel Hudon, une marionnettiste très réputée au Québec pour son expérience en théâtre d'ombre, et elle nous a montré la technique de la table lumineuse. So, we asked the help of Marcel Hudon to explore Shadows Theater with a light table. It's a new technique for the théâtre à l'envers. Et dans cette pièce, la musique prend aussi une large place. C'est comme si la musique est un personnage en soi. So, in this play, the music takes a large place. It's like a character. It's very important for us because there is no words. Donc, la pièce est vraiment une poésie visuelle avec musique sans paroles qui s'adresse à tous et qui peut être aussi bien jouée à l'intérieur dans des salles de spectacle qu'à l'extérieur aussi dans les parcs. Il a d'ailleurs été conçu au départ pour ceci. Et c'est un spectacle qui est facilement transportable compte tenu du fait qu'il y a très peu d'éléments scéniques à transporter. So, this show could be present outside in the parks or inside in the venues because we thought about to do the show for the two kind of versions. And of course, it's really accessible and very transportable because it's really light to transport. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un extrait du travail que nous avons fait en résidence de création en janvier dernier à la Maison de la culture Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Que nous remercions beaucoup d'ailleurs pour ceci. Et ça sera accompagné en musique
en direct d'Oriane Smith, une musicienne de grand talent, aussi bien capable de manier le violon que le piano de manière incroyable. So, I will show you a short video about the little girl and the birds with Oriane Smith, our talented musician, that she will accompany this video with her violin in live music. On se retrouve immédiatement après.
merci, c'est magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Merci. Bravo, merci. Patricia et Oriane, merci. Il y a déjà beaucoup de commentaires qui commentent sur le commentaire qui commente sur la beauté de la présentation et merci infiniment, c'est magnifique. Merci. Oh, et votre musicienne. Extraordinaire, n'est-ce pas? Merci, merci. Mais petite, ma thèse est superbe. Petite souris, tu n'auras pas notre musicienne pour faire tes spectacles. Je suis désolée. Bon, bien, j'irai voir votre spectacle. Tant pis. On y compte bien. Alors oui, on voit, Patricia, que la musique, the music in, has a, such an impact in this show. Will it always, will you present always with live music? The musician will always be present when you do the show? Yes, most of the time. Almost on each plays that we did before. Mm-hmm. But in this case, I can say that the music is really more important because it's really like a character. Oui. Really, mm-hmm. It's entering in the dialogue with all the elements, all the characters in the play. Oui. Donc, c'est vraiment un élément central, la musique. Surtout que c'est une pièce sans parole. Oui. Et c'est pas là juste pour donner des ambiances, mais c'est vraiment là pour rentrer en dialogue direct avec tous les éléments visuels que l'on voit, les personnages, la couleur, les émotions. C'est une pièce sur le processus de création. C'est quand tout même audacieux oui. De parler de ça, d'en faire vraiment une comparaison, une métaphore sur ce que l'on est intérieurement. Donc, chaque tableau est comme, a comme sa symbolique, en fait, qui amène un peu le spectateur à plonger au fond de soi. Donc, le spectacle est très immersif. So, when the spectator is watching the show, it's like something really immersive. You know, it's like if the spectator is diving in the painting, mm-hmm. is diving inside of himself. Yes. Vraiment. And, souris, oui, pardon. Oui, j'avais parlé de dessins, en fait, que j'ai trouvé absolument remarquable. Ah. Cette femme, Julia... Derdour. Ah bon, c'est une dessinatrice. Ah, c'est une dessinatrice, c'est une muraliste, c'est une illustratrice de grand talent. Donc, Julia, vraiment, avec ses pinceaux, nous peint des tableaux. En fait, comme si c'était des aquarelles. Elle mélange les matériaux aussi. Puis, bien évidemment, dans la pièce, il n'y a pas que ça. Il y a également des ombres corporelles, mais il y a des ombres qui ont été faites sur la table lumineuse grâce à Marcel Hudon. D'ailleurs, donc, comment c'est travailler avec Marcel Hudon? Ah, oh, c'est compliqué. Non, vraiment, c'est extraordinaire! Mais Marcel est très généreuse. C'est une, Marcel Hudon is a Quebecer puppeteer with a long, long experience in shadow theater. And at the Théâtre à l'envers, we had the experience to work with the shadows, mm-hmm. but not in this way, not with the table light, mm-hmm. light table. with to project the in filming the shadows and projecting on the big screen. Mm-hmm. So it's another technique that Marcel showed us. It was really interesting. We thought that we could use just one puppeteer to do that, but it was completely false. Because at the end, we need two people, my little mouse. Mais pour faire de la magie, ça prend beaucoup. Oui, ouais, ça prend beaucoup de magie. C'est beaucoup de technique. Justement, j'ai une question ici. Ils sont curieux. How did you get such vibrant colors in the background? How did you do that? Oui. Avec différentes sortes d'encre, en fait. We use different kind of inks to use that. Yes. Inks. Inks. Okay. Yeah. Mm-hmm. Inks to do the because Julia is mixing a lot of different techniques. Mm-hmm. So she took the techniques suggested by Marcel Hudon, mm-hmm. but she added with her own technique. Oh, petite souris, tu es d'accord avec moi? Hein? C'est absolument. C'est tout un art, n'est-ce pas? Mais encore une fois, magnifiques images. Et parlez-moi du processus. En fait, l'histoire s'est créée. Avec les deux, la musique et les illustrations, ou est-ce qu'une menait et suivait? En fait, tout au départ, Oriane Smith a proposé un synopsis uniquement. D'accord. Donc, ouais, elle écrivait mm-hmm. le texte, simplement. So we si had je comprends some lines. Bien, Oriane et Julia, elles sont la paire. Ah oh, oui, ce sont deux grandes amies. Elles se sont connues au Québec. Ce sont deux Françaises d'origine qui se sont connues ici. D'ailleurs, on a une équipe internationale, nous. On a deux Françaises d'origine. On a Nick Jewell qui est sur l'équipe aussi, qui vient d'Angleterre, qui travaille sur les ombres avec nous. Et on a des Québécoises, Audrey Maud Legallant qui est à l'assistance mise en scène, Sarah Sabourin qui est à la technique, et moi qui suis là, évidemment, pour faire la mise en scène. Donc, mais c'est ça. Alors, on a vraiment une super belle équipe. Et Oriane avait proposé un texte et c'était à nous maintenant de le mettre en image. Et d'accord. Là, on construit vraiment. Parfois, c'est la musique qui précède
l'image. Des fois, l'image vient à cause d'une réponse à la musique. C'est, c'est vraiment un dialogue. Si bien. Je comprends bien, la personne qui joue du violon, cette violoniste, c'est aussi l'auteur. Exactement. Elle a tous les chapeaux, cette femme. Elle est vraiment talentueuse. She's amazing. Mon rêve. She's an amazing playwright, an amazing musician. Dites-moi, Patricia, pour la tournée d'un tel spectacle, ça prend combien de personnes en tournée? J'ai une question. Ah aussi. Oui. So when we want to perform in English, or English, in French, in French, no words, in Chinese if you want. When we perform outside, we are performing with two people only. So the technical director and Oriane, who's playing the music in live. And when we are playing inside in the venues, we are four: two puppeteers, the director, the technical director, and also Oriane. But outside, it will be a captation of the shadow work. Yes. Ah, okay. Yeah. We film first the shadows because it's complicated with you know la météo. Miss Météo is always not always with us, so for that reason, we decided to film the shadows mostly, and then Ariane will just add the music. But I think that the best experience maybe it's inside because we the can things see are the puppeteers more organic. At work. Yeah, yes, we yes. can see everything, and oui, we can parce add things. Vent, si vous étiez dehors, hein? Oui, je présume que le vent dans toutes ces images, ça doit être horrible. Mais pas que le vent, il y a aussi des souris qui s'infiltrent dans nos choses parfois. Oh, quelle horreur! Ah. Alors, Patricia, une dernière question. Quand prévoyez-vous accueillir vos premiers publics? Oui, votre premier public? Ben en fait, on compte sortir le spectacle à la fin du mois de mai à l'extérieur. Bravo! Déjà, ouais. Donc en fait, on va faire un premier essai, disons-le comme ça, premier banc d'essai un peu plus officiel, à la coopérative Station numéro 1 dans Hochelaga-Maisonneuve. On a reçu une subvention du Conseil des arts de Montréal dans le cadre du programme pour sortir ce spectacle-là à l'extérieur. Et grâce à une autre subvention du Conseil des arts du Canada, on va pouvoir le prolonger et le faire à l'intérieur, donc dans les salles, pour l'automne prochain. Donc, ça fall. Perfect. Next fall for the venues. Yeah. Alors, merci beaucoup. Excusez-moi. J'aurais une dernière question. Oui, je vous en prie. J'aimerais savoir quand est-ce que vous comptez produire La petite fille et la souris. Ah! It's a secret, but we would like to have you in our next show. Bon, je vous donnerai mon numéro de téléphone. Hein? Of course. Plaisir. Yes. Patricia, je vous souhaite le meilleur succès pour terminer cette magnifique création. Merci beaucoup d'être venue avec nous ce matin. C'est une joie de vous accueillir. Merci de l'invitation. À très bientôt. Merci, petite souris. À Bravo! Bientôt. Merci à vous. Bon festival. Et maintenant, nous nous tournons vers la troisième compagnie, qui est aussi cette fois une compagnie de Trois-Rivières. Il s'agit de l'artiste Claudine Rivet, qui va nous parler de son spectacle en chantier, Les Veuves parallèles. Bienvenue, Claudine. Thank you.
Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. J'aimerais présenter Isaac Baudet-Lefebvre d'abord, qui m'accompagne au violon. Merci, Isaac. Puis, donc, je suis Claudine Rivet. Pour faire un bref survol de mon parcours, en fait, moi, j'ai d'abord été formée en arts visuels, puis je suis tombée dans la marmite des arts de la marionnette depuis quelques années. J'ai créé principalement des courtes formes sans parole. Puis le projet que je viens présenter aujourd'hui, c'est en fait ma première création de longue haleine, donc les veuves parallèles, qui sera un spectacle solo avec accompagnement musical, et puis qui porte sur le thème de la transmission de la mémoire entre les générations de femmes. Donc, je travaille sur la conception des marionnettes, sur l'écriture et sur l'interprétation. Puis, il y a Sophie Deslauriers, qui est ma complice dans cette création, qui est avec nous aujourd'hui à la régie. Donc, elle porte plusieurs chapeaux, mais principalement celui, c'est ça, de complice à la mise en scène et à la dramaturgie. Alors, les veuves parallèles, ben, en fait, c'est en continuité d'une courte forme que j'ai créée en 2017, Amanda. Dont la prémisse est née pendant un stage que j'ai fait dans le cadre de mes études en ODSS en théâtre de marionnettes contemporain. C'était avec l'artiste belge Nicole Mossou qui nous a fait travailler sur le vêtement marionnettique en lien avec les fantômes familiaux. Et puis, on m'a raconté, en même temps que je faisais ce stage-là, que mon arrière-grand-mère, en fait, avait été muette pendant les 18 dernières années de sa vie. Donc, ça m'a fortement imprégnée, puis Amanda est inspirée de cette histoire-là. Alors, ça devait être présenté à Castelier pour les raisons qu'on connaît dans la soirée de courte forme. Pour les raisons qu'on connaît, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais on va vous présenter un petit extrait lorsque ça a été présenté au FIAMS en 2017. Voilà. Donc, j'ai continué dans les dernières années à être très habitée par cet univers-là qui gravite autour de Amanda, puis par cette présence silencieuse. Donc, là où je suis dans ma démarche, j'ai eu très envie de plonger dans quelque chose qui était très intime pour aborder cette création. Donc, j'ai décidé de creuser l'histoire familiale. Alors, les veuves parallèles, ben, ça fait écho à Amanda, puis aux femmes qui étaient liées à elle, dont ma grand-mère. Ceci dit, je ne prétends pas du tout, en fait, essayer de faire un portrait là, factuel ou de dresser un portrait historique de leurs histoires, mais je m'intéresse plutôt au glissement entre le réel et le monde onirique. Donc, selon comment ces histoires-là m'ont été racontées, ou comment elles ont été vécues et ressenties, ben, comment elles se déposent, comment elles se sont déposées en moi, puis comment, c'est ça, donc cette transmission-là de génération en génération, lorsque les histoires se racontent, comment ces histoires-là viennent à se transformer. Puis il y a aussi ben, tout ce qu'on ne raconte pas, en fait, tous les non-dits, tous les secrets qui resteront secrets, ben, comment tout ça, c'est un terreau fertile pour l'imagination. Donc, voilà, ben, ça a été, je trouve que c'est un défi de partir d'une forme qui a été créée puis qui a eu une vie. Donc, pour replonger, j'ai eu besoin d'apporter un élément nouveau. Alors, il y a la marionnette à gaine qui s'est imposée par son ludisme qui venait contraster avec l'étrangeté du vêtement. Ben voilà, ça permet d'élargir le vocabulaire, puis de donner vraiment une autre dimension à Amanda.
Donc, il y a un changement d'échelle là, qui s'opère avec la marionnette Hagen qui vient révéler des rapports d'autorité. Et puis, la marionnette Hagen, elle me plonge un petit peu dans une espèce d'univers de maison poupée. Donc, il y a ce jeu de l'enfance, de jouer à la famille de façon un peu décalée dans lequel j'ai l'impression d'évoluer. Alors, on a eu une résidence à l'automne à Trois-Rivières dans le cadre du micro-festival de marionnettes inachevées organisé par les Sages-Fous. On avait pour objectif de consolider l'univers esthétique et scénographique et de faire coexister là, la marionnette Hagen avec le vêtement marionnettique. Donc, ça se passe autour de la table, à la salle à manger, où beaucoup de choses se passent. Pour moi, ça va être le principal élément de scénographie. C'est vraiment l'élément le plus évocateur des liens familiaux. Donc, on a joué avec différentes possibilités de la table. On a essayé, comme vous voyez sur la photo, des manipulations par-dessous. On l'a aussi mis à la verticale, ce qui donne une vue aérienne là, sur la table et puis qui peut aussi la faire devenir un castellet. Alors, j'en profite pour remercier Paul Foresto, en fait, qui m'aide à la conception de cette table multifonctionnelle. Voilà. Ensuite de ça, on a exploré le potentiel scénique de différentes images qui nous inspire. Il y a l'image des têtes dissociées du corps, de la tête dissociée du corps qui est vraiment récurrente, qui se retrouve dans la courte forme Amanda. Puis moi, qui est une image qui me trouble beaucoup et puis qui semble vouloir se répéter là, sous différentes formes. Donc, je suis un peu ce filon-là. Il y a l'artiste Véronique Laperrière aussi qui nous a beaucoup nourris, qui fait des magnifiques dessins avec des présences très fantomatiques. Elle nous a beaucoup inspirés. Puis, dans nos explorations, on voit l'expression du thème du cloisonnement qui revient souvent. Donc, il y a trois niveaux de jeu qui se dessinent. Il y a tout le jeu avec la marionnette Hagen, qui est pour nous, c'est celle qui porte l'inconscient, les secrets, qui porte le passé, en fait, qui vient révéler le passé. Donc, on s'est amusé aussi à les mettre dans des portraits, donc pour que ça fasse possiblement partie de la scénographie et que cette scénographie-là puisse s'animer. Donc, on détourne un peu là, la manipulation traditionnelle de la gaine ici. Comme on a fait, en fait, ce que vous avez vu en première partie, c'est ça, on s'est amusé à animer le portrait de famille. Donc, ensuite, il y a le vêtement qui est pour nous la métaphore de la vie intérieure, autant dans son étriquement ou dans son désir d'émancipation. Donc, le vêtement comme objet qui à la fois dissimule et révèle la vie intérieure. Et puis, il y a le jeu de l'actrice, en fait, qui est un travail sur la présence. Puis, je crois que c'est à travers... C'est à travers sa psyché à elle, finalement, qu'on fait le voyage. Donc, on s'est basé beaucoup sur on aborde beaucoup le geste quotidien comme base, donc comme mettre la table, ce rituel qu'on fait tous les jours, puis voir, on cherche comment ces gestes-là, banals, peuvent basculer vers un univers, vers des rêveries qui peuvent être cauchemardesques. Comme on voit aussi sur la photo, vous voyez, c'est une scène qu'on a explorée, une sorte de scène de banquet qu'on a explorée avec les marionnettes Hagen. Donc, ce qui s'en vient, on poursuit cette étape de recherche-création jusqu'en juillet. Puis, donc, on va poursuivre le travail avec le vêtement. Voir les différentes manipulations qui sont possibles. Et puis, on s'inspire du vêtement réaliste. Puis, on cherche des transformations vers le costume théâtral là, pour vraiment évoluer dans un univers qui est métaphorique, voire surréaliste. Ensuite, on va continuer à développer avec la marionnette Hagen. Et puis, on va aborder vite dans le processus la musique, parce que comme c'est du sans-parole, ça prend une place très importante. Alors, on travaille avec des arts traditionnels et puis au violon. Et
puis on joue avec de la dissonance, du bruitage. Il va y avoir beaucoup de contrastés aussi avec des moments de silence. Et puis, donc c'est ça, on est vraiment à la recherche de ce dialogue-là entre le mouvement et la musique, comment ils peuvent interagir. Pour finir, c'est ça, on est très contents pour cette étape de recherche-création. On est soutenu par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et Culture Mauricie. Donc, merci. Et puis, j'aimerais aussi remercier les lieux qui nous accueillent en résidence. Il y a l'espace La Bulle Création à Sherbrooke. Merci beaucoup. Puis, il y avait les Sages-Fous qui sont nos partenaires qui nous ont accueillis généreusement et qu'on reverra très bientôt. Donc, on a très hâte de poursuivre ce travail-là. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Claudine. Bonjour. Merci. Magnifique. Des hommages, Madame. Merci. C'était une magnifique présentation. Wow, bravo Claudine. Merci beaucoup. C'était seulement en français, mais peut-être qu'on pourra témoigner un petit peu plus tard dans nos questions quelques-uns des aspects dont vous avez parlé. Oui. Alors Claudine, parlez-moi, ce sera un spectacle solo? Oui, ce sera un spectacle solo avec un accompagnement musical. C'est encore ouvert au niveau de la présence musicale sur scène, à quel point l'interaction va entrer sur la scène ou va être plutôt discrète. Donc ça, c'est encore ouvert, mais pour tout ce qui est manipulation de marionnettes, ce sera en solo. Mm-hmm. Et puis, vous avez utilisé une nouvelle technique? Souris? Oui. Bon, d'accord. J'en parlais plus tôt avec Madame Lapointe. Oui. En fait, j'aimerais particulièrement vous remercier au nom de toutes les marionnettes à Gaines pour utiliser ce type de technique dans votre prochain spectacle. En fait, je voulais simplement faire l'éloge de la marionnette à Gaines. Je crois que c'est un choix judicieux. Quel groupe de marionnettes incroyables nous sommes, revendicatrices. Émouvante, toute petite et très grande à la fois. Bravo, 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 bravo. D'ailleurs, je crois que ce serait très pertinent qu'une souris sorte de votre table. Vous ne pensez pas? Oui, tout à fait. Si vous voulez, je vous passerai ma carte d'affaires. Parfait. J'aimerais, Claudine, que vous nous parliez justement de ces magnifiques marionnettes qui sont vos outils de travail. C'est vous qui les fabriquez? Oui, c'est moi qui les ai fait, ces marionnettes à Gaines qui sont toutes sorties du même moule, en fait. Donc, elles sont toutes très différentes, mais oui, elles sont toutes sorties du même visage. Ah, mais... Vous voulez dire que vous avez fait un moule, n'est-ce pas? Et que vous avez coulé chacune de ces marionnettes dans ce même moule? Oui. Ah bon? De là la parenté, en fait, entre chacun des personnages. Voilà. Est-ce que ceci a un lien avec votre thématique familiale, la parenté? Tout à fait, bien vu. C'est fort. Non, mais nous le ressentons, tout ceci. Hein? Nous, comme spectateurs. Tout à fait. Bah, en fait, j'ai vu toute cette parenté, cette famille, cette famille. Poursuivez, je m'excuse. Vos commentaires sont très judicieux, souris. Et dites-moi, Claudine, c'est un spectacle plutôt pour adultes, cependant. Oui, c'est un spectacle plutôt pour adultes à cause de la thématique qui est abordée. Puis voilà, on voyage un peu dans des zones de troubles, donc ça s'adresse à du 13 ans et plus, oui. So I'm going to just say a few words, if you don't mind. Claudine's performance, Les Veuves Parallèles, is a show without words, and it will be a solo performance with Claudine and a live musician accompanying her. And the show is for adults, 13 years old and older. And this, cette présentation, Claudine, quand est-ce qu'elle sera prête? Quand vous pensez accueillir votre premier public? Oui, c'est encore un petit peu incertain, donc on n'a pas de date de fixée. Mais on vise pour l'été 2022, donc dans un an et demi, qu'on aimerait achever le spectacle. Mais je suis libre dans un an et demi. On avait une question sur quelles sont vos prochaines étapes de travail, justement, de travail de création. Vous en avez un peu parlé, mais voulez-vous élaborer un petit peu les prochaines étapes concrètes qui s'en viennent? Prochainement, on s'en va on retourne au Sages-Fous pour une autre résidence dans le cadre du micro-festival de marionnettes inachevées. Donc, au mois de mai, on va être là. Puis ensuite de ça, au mois de juillet, on va être à l'espace La Bulle Création à Sherbrooke aussi pour poursuivre.
Puis, il y a certainement d'autres résidences qui vont s'ajouter. C'est ça, mais cette étape-là de création, là, puis il y a de la fabrication, évidemment. Il y a des, je travaille dans un atelier aussi à la fabrication entre les résidences là, où on poursuit. La bulle, c'est cet espace de Madame Baillargeon, hein? Sylvie Baillargeon. Oui, Sylvie hein? Baillargeon. C'est un nouvel espace. Oui, hein? Magnifique. Très, très fantastique, n'est-ce pas? Oui. En Estrie, je crois. Tout à fait, oui. Ah, voilà, oui. C'est magnifique. C'est magnifique, hein? C'est oui. magnifique. On ouais. est prêts. L'accueil. Oh, les lits sont confortables. Oh, mon Dieu. Enfin. Voilà, des petits détails. Ben, Claudine, je vous remercie beaucoup d'être venue nous témoigner de votre travail en cours et je vous souhaite la meilleure des chances pour sa poursuite. Et vraiment, tenez-nous informés des prochaines représentations et vraiment, magnifique travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre Bravo, accueil. Merci beaucoup. Merci. Mais vous pouvez rester avec nous parce que, en fait, nous avons une quatrième équipe aujourd'hui qui va nous parler de son travail en création. C'est vous, Madame la Souris, je crois, avec les Sœurs Lapointe. Vous aviez, vous deviez présenter à toi pour toujours ta souris Lou, mais malheureusement, dans la même soirée de courte forme que Amanda, on a dû l'annuler. Alors, voulez-vous nous en parler un peu de cette œuvre en chantier? Oh! Écoutez, vous savez que depuis quelques années, je suis engagée par les Sœurs Lapointe pour tenir le rôle principal de la souris dans plusieurs adaptations d'œuvres théâtrales. Cette année, Madame Claude Lapointe a choisi local, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, elle avait choisi de travailler sur une œuvre de Michel Tremblay, À toi pour toujours, ta souris Lou. Voilà. Alors, j'étais donc moi-même dans le rôle de souris Lou, absolument extraordinaire, comme toujours. Et puis, j'étais accompagnée d'un chat, puisqu'il le faut, n'est-ce pas, dans une histoire de chat et de souris, ainsi que de monsieur Karl Béchard, ce grand artiste. Donc, nous devions présenter, en compagnie de Madame Rivet, en soirée de courte forme. Oui. Mais comme les spectateurs sont malades, les spectateurs tous, nous avons tourné une petite répétition publique, puisque Castelier, festival qui attire bien des spectateurs à l'habitude, a tout de même invité chacun des artistes qui devaient présenter à être en résidence, soit ici, au Théâtre Outremont, à la Miam, vous étiez je ne sais pas où, mais enfin, voilà, ça grouillait partout. Eh bien, comme les spectateurs ont la grippe, nous avons tourné une petite capsule de répétition, mais nous espérons, puisque c'est une grande œuvre et que mon interprétation est historique, comme d'habitude, nous espérons bien pouvoir la représenter une autre fois. Tiens. Comptez sur nous. Mais vous dites une petite captation? Oh! Alors, Claude Lapointe nous a préparé un petit extrait. Allons-y. Allons-y. Elle est enceinte. Coupé. Mais comment on joue cela, monsieur Béchard? Peut-être dans ta gaine? Ah hein? Oui, bien sûr. Chou. Ah non, Marcel. Arrête. Ça chatouille. Ouais. Bon, c'est fini? Bon, voilà. Alors, comme ceci. Hein? Oh, encore un. Ah, voilà. Comme ceci. Et. Alors voilà, c'était une répétition, évidemment, n'est-ce mais... pas? Et mes premiers pas avec en direct, les internets. Premiers pas en internet. Mais ça laisse déjà présager, ça laisse déjà voir votre grand talent, souris. Et je vous remercie de nous avoir témoigné de ce travail en cours. Et soyez sans crainte, nous vous ferons signe pour un report. Ah, parfait! J'ai ma carte, hein, si vous voulez. Ah, ben voilà. C'est déjà la fin de ce Café Causerie exceptionnel, tout comme cette édition. J'aimerais remercier avant tout l'équipe technique. Vous ne les voyez pas derrière ces caméras, mais il y a une équipe extraordinaire de Marco Vargas, Catherine Renaud, Anthony Ranger et Charlie et Laurence et compagnie, vraiment qui ont fait un travail génial avec les caméras auxquelles nous sommes si peu habitués normalement. Je peux me permettre. Allez-y. J'aimerais vous remercier, Madame Lapointe, d'avoir tenu le festival, malgré que les spectateurs ont la grippe. Vraiment, nous avons très hâte, les artistes, de vous retrouver en chair et en os. Et je vous souhaite
pour l'année, la 17e édition, plein de spectateurs. Continuez! Merci, Souris. Oui, en effet, déjà ce matin, c'était une joie de se retrouver ici, au Petit Outremont, dans un théâtre, avec des artistes et des marionnettes. C'est ça qu'on fait dans la vie. Et je remercie tous ceux qui sont venus nous rejoindre ce matin. Je voulais vous dire avant de partir que vous pouvez encore regarder jusqu'à ce soir les programmes de Ciné Castelier qui sont disponibles sur le web, ainsi que toutes les capsules qui ont été mises en ligne cette semaine. Je voudrais aussi vous dire comment vous nous avez manqué, puis ça me fait de la peine de vous voir partir. Mais on vous attend l'année prochaine oui. pour le 17e festival. À bientôt.